bon vendredi, bienvenue sur ma chaîne de vlog. Une nouvelle semaine qui commence, même si on est vendredi. Bon, cette semaine, il n'y avait pas grand-chose qui se passait à part travailler puis des rendez-vous médicaux pour les enfants. Fait que j'ai pas vraiment vlogué. J'ai décidé de commencer aujourd'hui. Et puis, bon, je suis bien contente qu'on soit vendredi. Ça a été une semaine quand même assez émotive. On a perdu notre chat Méo qui était au moins âgé de, moi je dirais, 16-17 ans. C'est Simone qui l'a retrouvé mort en bas, là, dans le sous-sol. Ça a été bien triste, mais bon, on a passé au travers. Et puis, je voulais vous dire, c'est ça, j'ai eu un cadeau de mes amis de Starbucks aujourd'hui. Vous savez, mon amour pour les matchas et la saveur bouton de rose. Malheureusement, je pense que je suis la seule à tant triper sur bouton de rose. Fait que, pour l'instant, ils n'en ont pas recommandé d'autres. Par contre, ils ont des petits... sparkling là, qu'ils mettent sur les boissons qui goûtent, qui sont à saveur de bouton de rose. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas me gêner puis de demander au gars, si au gérant, là, que je connais bien puisque je suis là beaucoup trop souvent, s'il voudrait m'en vendre un pot. T'sais, j'aurais pas payé 20$ pour ça, mais bon, s'il pouvait m'en vendre un, j'aurais été bien contente. Et puis, guess what? Il me l'a carrément donné. Garniture à la rose, naturellement aromatisée. Mais il a donc fait ma journée. C'est mon cadeau de Noël qui m'a dit. Fait que j'étais bien contente. Sur ce, ben, faut qu'on parte. Ciao! On est déjà rendu 2h vendredi. On est déjà l'après-midi. J'ai pu finir à midi. Je vais vous le dire, ça m'arrange grandement parce que... Vous savez, les commandes en ligne que le Père Noël me fait faire, là, parce que moi, dans le fond, je suis un employé du Père Noël, on va se le dire. Il est bien occupé, là, puis c'est rare qu'il vienne dans Rivière des Prairies. Fait que, tu sais, je fais du travail pour lui, comme aller chercher ses courriers. Et puis, bon, là, cette semaine, il y avait une commande de chez Toys R Us. Puis, j'ai découvert qu'il y avait les camions mobiles. J'ai trouvé ça génial. Ils disent où est-ce que le camion mobile est stationné. Comme là, moi, c'était à mon Canadian Tire, vraiment pas loin d'ici. Puis tu t'en vas là avec ton papier, puis merci, bonsoir, ils te donnent ton colis. Bon, ça, c'est Puro Letter. Là, hier, j'ai reçu un autre papier de Puro Letter, parce que Toys R Us, eux autres, là, si t'achètes trois affaires, ils sont pas capables de t'envoyer ça à un seul envoi. Non, il est mieux t'envoyer comme trois différents colis. À quel point t'as du plaisir? Mais là, c'est ça. Là, le Puro Letter, c'était plus le petit camion mobile. Non, fallait que j'aille directement au Puro Letter dans un quartier industriel d'Anjou. Je me dis, tu sais, la personne qui n'a pas d'auto, puis qui commande en ligne, justement, parce que c'est plus facile. Puis là, il faut qu'elle aille virer à une place qui n'est même pas accessible en autobus. Je veux dire, je sais pas comment tu es censé aller chercher ton colis. C'était genre boulevard du golf, près d'un terrain de golf, en tout cas, méchant coin bizarre, là. Peu importe. En tout cas, fait que là, ben c'est ça. Fait que mon ouvrage pour le Père Noël est fait. Fait que là, ça se trouve que là, ben j'ai des boîtes, hein. Puis là, je suis même accompagnée des lutins, les fameux lutins coquins. Ils vont être là pour observer tout mon beau travail que j'ai à faire. Fait que là-dedans, il y a les cadeaux du Père Noël ici, puis il y a d'autres cadeaux ici que je vous montrerai pas parce que mes petits coquins d'enfants regardent mes vidéos. Fait que je me lance là-dessus, hein, au emballage 101, oui. Puis je vais vous montrer le résultat, je sais pas dans combien de temps, là. Un avantage, c'est que, oui, OK, c'est de la pollution, mais je me dis, il y a des choses que j'ai commandées ici que je vous dirai pas encore là, puis que si je l'aurais acheté, mettons, chez Toys R Us, je n'aurais pas pu l'emballer parce que ça aurait eu une forme, ça a une forme assez étrange. Fait que là, ben c'est déjà dans la boîte. Fait que je vais juste vérifier que tout est beau, puis je vais refermer la boîte. Merci, bonsoir. Puis je vais l'emballer pour le Père Noël. Je te dis qu'il n'amène pas l'âge le Père Noël là. Je vais dire, je fais tous les efforts. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les lutins. Ils doivent être en grève ou sont occupés à faire des mauvais coups chez les... Bon, ben voilà. C'est ce que ça donne. Pour le moment... Parce que il me reste des commandes à recevoir. Bon, moi, j'aurai à peu près la moitié de fête, là.
Salut, on est samedi, à l'approche des fêtes. Où est-ce qu'on est, Annick? À la sac de peau. Ben oui, hein? Faut ce qu'il faut, hein? C'est mieux que d'attendre la dernière minute. On est venu faire nos pavillons. Bon, fait que l'objectif, c'est d'acheter 12 bouteilles. Parce que ça prend 12 bouteilles pour économiser 15%. Ceux qui ne connaissent pas la SAQ dépôt, je vous l'apprends. Fait que là, finalement, on a passé de 12 à 18. Puis de 18, ben, à 24. Fait que pour une modique somme de 353 $. Mais on devrait être correct pour les fêtes, hein? Bon dimanche matin, tout le monde! Voyez-vous la fumée? On se les gèle! On est sur notre départ pour Funtropolis à Laval aujourd'hui parce que la semaine prochaine, c'est la fête de 6 ans de Charlie. Alors, j'ai invité ses amis pour fêter ça aujourd'hui là-bas. Là, je pense qu'ils vont avoir bien du plaisir. Fait que là, on s'en va chercher ma mère. Et puis, on a. Je pense qu'on arrive là pour 1 heure. Puis, la réservation commence à 1h15. Les invités arrivent à 1h15. Fait que je vais vous montrer ça une fois là-bas. Ciao! Bon, fait que nous voici au moment zen de Funtropolis. J'ai fait mon setup de table. J'ai acheté un petit. Happy birthday! Une belle petite nappe de chien avec des petits. Des petits bugs! Et là, on attend tout le monde. Bon lundi soir, c'est Miss Léopard qui vous parle ce soir. Ouais, là, moi je suis en plein rush de cuisine en ce lundi soir, 7h moins quart. Écoutez, je suis en train de faire un spag, hein? Pas trop compliqué, mais quand même. Faut que ça cuit, hein? Parce que là, j'ai mis des petites boulettes de viande à cuire au four. Et puis là, en même temps, j'essaye le poulet au beurre de Ricardo. Mais là, la question que je me pose, c'est, là, c'est bien beau la mijoteuse, mais c'est qu'ils disent 4 heures à l'eau. Et moi, là, j'ai pas le goût de me coucher à genre 10h15, là, à soir. Puis en plus, mon poulet va être chaud. Je veux dire, moi, je suis une grand-mère, là, 9h, 9h30, je m'en vais me coucher, merci, bonsoir. Fait que là, la question que je me pose, j'ai d'ailleurs texté mon beau-frère, anciennement chef cuisinier, pour lui demander si 2 heures à aille, mettons, là, ça va-tu faire la job? Je ne sais pas. Puis en même temps, je me suis parti un riz basmati pour mettre mon petit poulet au beurre dessus. Fait que dans un monde idéal, demain, mon souper serait fait d'avance, il me resterait juste des petits légumes. Puis là, je ne sais pas si vous avez entendu, là, ben, je vous en avais parlé déjà des pains, là, les boulangeries qui donnent des pains à donner. Ils donnent des pains à donner, c'est vraiment beau ce que je dis. Qui donnent des pains en surplus. Fait que nous autres, ils font ça au bureau, à la boulangerie qui est juste comme à côté. Ils mettent une grosse boîte une fois de temps en temps, puis c'est marqué, tu sais, à donner, pain d'hier. Je vais juste vous montrer le pain que je me suis pogné. Je sais. Il est énorme! Gratuit, je veux dire, pour manger avec mon spag à soir. Non, mais je vais mettre un peu dans le four avec un petit peu de beurre fondu. Ça va-tu être délicieux? Bon, mercredi soir, vous me voyez pas beaucoup parce que je suis dans l'auto puis éclairée à petite lumière du char. Mais c'est ça, hein? Ce soir, spectacle d'humour surprise à Terrebonne avec mon ami Annick pis son chum. Fait qu'on s'en va là! Je te dirais que je suis comme. Bon matin, Charlie! Bon matin! C'est quoi notre projet du jour en cette. Dent à bouche. Ta dent à bouche. Fait que là, on va l'enlever en plein sur la toilette, hein? C'est un beau setup. Simone, tu peux nous filmer mon petit Charlie? Oui. On va y enlever sa première dent. Première dent! OK, regardez ça. En 2 temps, 3 mouvements, ça devrait bien aller. Mon Dieu, elle est tellement lousse. Et attendez. Oh, Charlie! Attendez, ça sent bien. Attends, ça sent bien, Charlie, là. Attendez, on va faire une autre chose.
Bon, fait qu'on a changé la technique. On va faire la technique du lasso. Ça va aller beaucoup mieux. On va essayer d'attacher la petite dent ici. Vous voyez comment je suis dentiste, moi, là? On fait ça à la base. Oh, mon Dieu, c'est tellement long. Ça glisse. Ça n'a pas d'allure. OK, on va refaire un nœud. Voilà. Le lasso. C'est le dentiste cowboy. OK. Là, si tu bouges ta petite lèvre, ça marche pas. Mon Dieu. OK, le petit lasso, il marche pas nécessairement. C'est parce que tu bouges ta... Arrête de descendre ta bouche, hein? Ah! Mon Dieu, attendez, je l'ai presque. Tu l'as presque, je l'ai presque. Fais-les, toi. Tourne-la. Tu vas la faire pour les gens. Bon, on a évolué. Allez, ta dent, c'est ça. Ça saigne. On devrait être correct. Là, je pense que tu peux y avoir par okay, toi-même. Ouais, là, ça va saigner. Essaye de l'enlever. Ça saigne aussi. Tu es dessus, hop. Ouais! Madame Charlie! Ouais! Montrez ça, Charlie! Ouais! Bravo! Wow! Charlie! Bon, jeudi soir, je voulais partager avec vous les achats de mes enfants. C'était le... Comment t'appelles ça? Comment ça s'appelait, Simone? Une exposition de Noël, en tout cas, avec des trucs que les enfants ont fait, puis sûrement certains parents. Puis, bon, ben tu donnais des sous, puis ça l'aidait à, je pense, à acheter des cadeaux pour les familles plus démunies de l'école. Fait que les enfants, ils s'étaient apportés environ 5-6 $ chaque, je pense. Là, ben regardez, ils se sont achetés des foulards. Ici, on a un foulard brun. Je sais pas c'est qui l'a choisi. Ah, c'est Camille. On me dit que c'est Camille. Et puis là, il y a celui-là. Et ça ici. Voilà. Voilà. Donc, il y a le orange et vert qui serait très beau pour le mois d'octobre, très tendance. Et si vous n'aimez pas le orange et vert, pour être sûr qu'on n'en manque pas, bien, il y a le orange ici et mauve. Voilà. Hein, fait par un artisan de l'école, j'imagine, je ne sais pas. Et pour après le mois d'octobre, bien sûr, arrive novembre et décembre. Qui dit décembre dit le temps des fêtes. Fait que j'ai celui-là ici, vert et blanc. C'est ça. Bon, vendredi soir, je voulais partager avec vous, je viens juste d'arriver du bureau. Et j'ai reçu ma commande de chez Indigo. Et puis, c'est ce que j'ai commandé pour les profs. C'est le vlog, le cahier, en tout cas sur Facebook, qui m'a donné cette idée-là en partageant des idées. Le titre, c'était « Des cadeaux auxquels vous auriez aimé penser ». Fait que je suis allée voir là-dessus parce que moi, j'en avais pas d'idée originale pour les profs. Puis regardez ça, c'est mignon comme tout. En tout cas, à mon goût, à moi, c'est une boîte comme ça, en bois. Puis c'est pour faire pousser ton propre sapin. Je veux dire, c'est un éco-cube. Imaginez, il doit avoir, ils disent, l'éco-cube contient des graines et un engrais spécial. Ouvrez l'éco-cube et retirez l'autocollant. Versez 30 ml d'eau dans le cube, puis là, tu le conserves dans un endroit lumineux. L'arbre de Noël germera dans 10 à 14 jours. Après environ 6 mois, vous pouvez l'empoter. Empoter tout l'éco-cube. Fait que tu le plantes au complet. À quel point c'est trop mignon. Faire ton propre sapin. Puis, qu'est-ce que vous faites en ce beau petit samedi après-midi? On fait des ugly socks? Ouais! Oh! On a tout notre équipement. Puis, c'est des real ugly socks. Fait que tu confectionnes toi-même tes beaux laits. On a la colle, puis toutes les petites décorations.
On est samedi soir, on est presque rendu à Illumi. On s'en va voir Illumi ce soir. Et puis, on s'est équipé. J'ai acheté ça aux enfants, des petits animaux lumineux. Et puis, bien sûr, des colliers lumineux. Et puis, comme il pleut, je suis allée acheter des ponchos pour toute la gang parce que ça ne tentait pas tant de se traîner un parapluie. Première constatation, si vous allez à Illumi, le parking, ça a vraiment l'air d'être un enfer. Présentement, il est 6h05, on a notre rendez-vous à 6h30 et puis ils nous font faire un détour parce que le stationnement d'Illumi est plein. Fait que j'imagine qu'on va aller se stationner plus loin puis on va être obligé de prendre un autobus pour se rendre sur le site. Fait que va-t-on être là à 6h30? Je ne sais pas, mais j'ai bien hâte de voir ça. Je pense qu'ils sont victimes de leur succès. Probablement que le stationnement, ça va être un point à reviser. À quel point cette soirée à Illumi est magique, mes amis? Hein? Il pleut à Sio. On a attendu qu'on est malade pour le Viking. Mais on est rendu! J'imagine que ça serait beau avec de la neige. Regardez tout le monde avec leur parapluie. C'est la magie de Noël à Illumi sous la pluie. Hey Charlie, comment on se sent au royaume de Spider-Man? Checkez ça, toutes les belles araignées qu'il y a partout! Ben. C'est fou! Elle est énorme! J'ai décidé que je m'appropriais la place. J'ai invité toute ma famille. Allô, Martine? Hein? Mes enfants, bonjour! Puis on... Maman? On s'approprie le gazebo, c'est à nous autres. J'ai ouvert la porte tantôt, puis j'ai...